Ceci est la dernière des trois scénettes qui vous sont présentées ce soir. Elles seront rejouées chronologiquement toutes les heures. Nous sommes maintenant en juillet 1794, dans l'entreprise de M. Fürster, père d'une famille de tuiliers installée depuis plusieurs générations dans le Forststadel de Benfeld. Schneller, Junge. Ja, mais c'est trop lourd. Allons, mon garçon. La tuile n'est finalement qu'une affaire d'argile, d'eau et de feu. Facile à dire. Cela fait une semaine que nous malaxons le lus. Tiens, regarde, j'ai des cruves à ce pied, à force de pétrir cette terre jaune et mouillée. Tu avais une tâche plus facile pendant que nous trimions. Oui, mais plus délicate. Mes mains expertes ont découpé les galettes de terre, puis je les ai mises dans les moules de la presse pour donner la forme définitive à la tuile. Yaya, et maintenant qu'elles ont reposé depuis quelques jours dans le séchoir, tu me demandes de les empiler dans le four. Toujours le sale boulot. Hop, Schnaller, termine ton travail au lieu de te plaindre. Je veux allumer le feu pour la cuisson définitive des tuiles. Tu vas t'allumer.
Ah, très bien. Nomme-la, Sam. Ce sont les filles du patron. Ce n'est pas pour toi. Je croyais qu'avec la révolution, c'était fini les privilèges. Les privilèges, les privilèges. On en reparlera quand tu auras gagné du galon. Va seulement te frotter auprès du patron. Tu verras, tiens, justement, il arrive. Tu veux sans doute lui expliquer ton idée sur la question ? Alors, cette commande pour le relais postal, sommes-nous dans les temps ? Oui, oui, monsieur le directeur. Je fais de mon mieux. Vous verrez, nous serons prêts. Très bien, très bien. Tiens, j'ai comme l'impression que je suis déjà attendu. Certainement encore un négociant qui veut se faire de l'argent sur mon dos. Monsieur Fuster, une bien triste nouvelle. Le bois, il sera rationné. Comment cela, monsieur le négociant ? Le bois sera rationné ? Mais j'en ai besoin pour ma production de tuiles. Que voulez-vous, monsieur Fuster ? Le gouvernement veut limiter la consommation du bois, afin que son prix n'augmente pas trop et déséquilibre le budget des familles. Mais malheureux, tu n'as rien compris. Ils veulent limiter la consommation des particuliers, mais pas celle des ateliers. Car si c'était le cas, comment veux-tu que je chauffe le four ? Et révolution ou pas, il nous faut bien un toit sur nos têtes de révolutionnaires. Demandez le journal, la mort de Robespierre. Demandez toutes les nouvelles de la France. Demandez le journal. Tiens, voilà pour toi. Demandez le journal. Afin de débarrasser de ce Robespierre, il a régné sur toute la France par la terreur avec ses comités de salut public. Finalement, il a péri sur l'échafaud, où il a fait monter des milliers de victimes. Regardez cet article. Les clubs des Jacobins sont dissous et ont fait la chasse aux individus qui avaient si longtemps terrorisé leurs concitoyens. Oui, ces exécutants dans les départements et les villes pour toujours. J'en connais un, les plus abjects parmi les dénonciateurs, Aurac, le Wurtembourgeois. Il a commis énormément de malheurs dans notre ville. Je le verrai bien finir comme Robespierre. Mais il est temps que les massacres cessent et que la justice prenne un visage plus humain. Au secours, un homme dans les séchoirs à tuiles. Ne bougez pas, patron, j'y vais. Appelez la garde. Aurac, le Wurtembourgeois. Un long mot. On parlait justement de toi. Comme ça, tu viens te planquer dans mon séchoir. Tu veux échapper à ton destin. Il faudra maintenant répondre de tes crimes et calomnies qui ont causé la perte de tant de belles Fellois. Jamais, ça, jamais. Ah, les filles, je suis fier de vous. Vous venez d'arrêter un des plus grands dénonciateurs du canton. J'ai toujours pensé que les femmes prendraient de plus en plus de place dans notre République. Emmenons-le à l'arbre de la liberté, devant la mairie, et que tous le voient et le jugent. À partir de là, le pays se sent soulagé et le cauchemar qui a pesé sur la population s'éloigne. Ordre fut donné de démolir la guillotine sur la place d'armes à Strasbourg. Le 21 février 1795, les églises sont ouvertes et le culte par des prêtres non assermentés est autorisé. L'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité qui était le moteur de la Révolution est devenu devise nationale. Depuis ces événements, cette devise a souvent été honorée, parfois trahie. C'est au prix de leur sang que des Françaises et des Français de toutes les époques l'ont défendue afin qu'elle soit et reste notre idéal commun. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
empêcher de passer. Mesdames et messieurs, chers amis des fêtes du Schumanns, un grand merci pour vos applaudissements qui nous vont droit au cœur. Et cela nous fait plaisir parce que vous êtes encore plus nombreux qu'hier soir. Et vraiment, un grand merci pour nous. Nous sommes tellement heureux de vous présenter ces scénettes depuis quelques années déjà, ce soir particulièrement. Et c'est vrai que pour être sous le feu des projecteurs, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Quelques costumes de révolutionnaires nous ont été prêtés par le groupe des sans-culottes de Naïm. Pour les autres, Marie-Claire, Martine et Juliane, nos couturières, travaillent depuis de longs mois à transformer d'anciens costumes ou à en confectionner de nouveaux. Elles ont vraiment des doigts de fée. Merci à Jean-Jacques Knopf de Benfeld TV pour le temps passé à l'enregistrement et au mixage de nos voix. Merci à nos metteurs en scène, Jean-Jacques et Pascal, qui est également le compositeur des musiques originales de notre spectacle, ainsi qu'à Stéphanie qui a guidé nos jeunes danseuses. Et surtout, un grand merci à celui qui cumule les mandats depuis plusieurs années déjà. Auteur des scénettes, metteur en scène, manager des acteurs, et surtout notre ami qui fédère la bande de copains que nous sommes, un peu indisciplinés parfois, et qui ne demande qu'à accueillir de nouvelles personnes dans nos rangs, notre maire, Jackie Wolfhart. Merci bien. Et je souhaite, moi, à mon tour, remercier l'ensemble de l'équipe. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que nous travaillons ensemble dans la bonne humeur. Et c'est un investissement important pour un certain nombre d'entre eux. Et je les remercie. Je souhaite aussi remercier tous les habitants de ce quartier du Hortop qui nous ont accueillis. Vous l'avez bien vu en vous promenant, tout ça, les drapeaux, les décorations, ce sont des initiatives qui ont été prises par les habitants. Je les remercie. Et je vous remercie, vous, d'être venu, de nous avoir écoutés, et j'espère que vous avez passé une belle soirée. Donc, bonne soirée à tous, et rendez-vous peut-être au buvette, soit au Lotto ou à la place de Rien. Au revoir. Alors, bonne soirée encore, belle fête du Schumanns. Je ne peux pas dire, comme je l'ai dit hier soir, si vous avez des amis, ramenez-les, demain nous jouons encore. Parce que ce soir, ce sera la dernière. Bonne soirée !